J'insiste encore sur le fait qu'un excès d'arrosage provoque les éclatements des plantes. Qu'on peut les sauver en arrêtant tout arrosage, jusqu'à ce que l'on obtienne un épiderme sec. Et l'année suivante, vous pourrez reprendre un cycle normal en respectant les saisons et en arrosant très peu. Vous verrez vos plantes se dédoubler et fleurir. Pour mieux comprendre la vie des Conophyton et leur culture, nous allons suivre ce Conophyton ornatum pendant 3 ans. Nous partons d'une plante sèche et simple. Du mois de mai au mois de juillet, il ne faut pas arroser. Nous pouvons mettre notre plante mi-ombre. Du mois d'août au mois d'octobre, il faut arroser. Nous constatons que la plante a doublé. D'une paire de feuilles, elle est partie à 2 paires de feuilles. Il faut arroser toujours modérément. En fin de saison, octobre, la floraison est plus ou moins terminée suivant les espèces. La plante se développe. La tenir bien gonflée et faire attention qu'elle ne se fende pas. Au mois de novembre à décembre, suivant le temps qu'il fait, il faut brumiser, tenir votre plante gonflée et faire attention qu'elle ne se fende pas. Si elle se fend, cessez tout arrosage. Du mois de janvier au mois d'avril, il faut cesser tout arrosage et doucement, votre plante doit sécher. L'épiderme doit devenir tout marron. Et si vous avez le malheur de la vaporiser, comme je fais ici, de brumiser un petit peu, voici à contre-saison ce qui va se produire. La plante, au lieu de sécher, va commencer à démarrer, ce qu'il ne faut pas faire. Il fallait cesser tout arrosage pour que les feuilles sèches couvrent la plante totalement, comme ceci. Revenons à la plante précédente, au mois de janvier-avril. Ne pas arroser pour obtenir des plantes bien fermées. Du mois de mai à du mois de juillet, là, vos plantes ayant été un peu trop arrosées ne sont plus protégées. Ça peut provoquer certaines brûlures. Toujours ne pas arroser. Au mois d'août, au mois d'octobre, il faut commencer les arrosages. Au début, on peut les faire assez copieux. Les plantes vont se développer tout doucement. Faire attention à ce qu'elles ne se fendent pas. Si elles se fendent, cessez tout arrosage. Les feuilles sèches doivent disparaître. Courant, disons, septembre, les boutons de fleurs commencent à apparaître. Et nous sommes partis de 2 feuilles, nous en avons 4. La floraison apparaît normalement septembre-octobre. Après la floraison, il faut cesser les arrosages. Commencez qu'à brumiser votre plante. C'est à ce moment-là qu'il vaut mieux l'avoir épiderme flétri que trop gonflé. Et de 4 paires de feuilles, l'année suivante, vous serez émerveillé, vous en aurez 8. Nous venons de voir en image 3 années de vie du Conophyton ornatum. Pendant que défilent les images de 4 espèces, j'en profite pour vous indiquer que ces cassettes vidéo ont été créées pour vous par des amateurs de plantes, des amateurs de vidéos. Celle-ci étant une première, au fil des ans, nous ne pourrons que nous améliorer. Aussi, nous réclamons de votre part un peu d'indulgence pour toutes les imperfections qui sont le lot
de tout amateurisme. Mais KT Vidéo, géré par la IAP Sud-Ouest, reste à votre disposition pour tout renseignement. Cette fleur est nocturne et dégage dans la serre un délicieux parfum. Au fil des ans, les conophytomes peuvent former de très grandes touffes qui, elles, peuvent atteindre plus de 50 cm de diamètre pour certaines espèces.